Alors bonjour à toutes et à tous, voici le troisième épisode de la série Cities XXL. Alors on va continuer directement dans notre ville. Alors Philo City, hop, 7600 habitants, et voilà. Vos tokens d'argent sont calculés à partir... Trop rapide. Ah oui, effectuer un emprunt, ça aussi, je vous montrerai comment on fera. Alors, où est-ce qu'on en était? Ça, on va supprimer. Alors, un petit bug d'affichage, on dirait. Voilà. Ici, aucun emploi disponible. Donc, qui dit pas d'emploi, dit création de travail. Donc, des petits bureaux. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pas d'hôpitaux, pas d'école. Pourtant, je sais plus pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on en avait fait. Ah oui, mais c'est cette partie-là qui n'en avait pas. Voilà, et les écoles, sûrement la même chose. Et celle-là. De toute façon, on va tout relire après. Alors, non, merci. Donc, je vais vous montrer un peu ces quatre. Enfin, oui, l'électricité, l'eau, le traitement de déchets et le carburant. Donc, l'électricité, on peut mettre ça où on veut. Donc moi je me mets toujours de préférence, c'est peut-être une vieille habitude de SimCity, mais ça embête sûrement les personnes, les habitants d'avoir une éolienne à côté de chez eux. Donc on va en mettre ici. L'eau, bah, l'eau ça dépend où est-ce qu'elle est disponible. Je vois pas pourquoi est-ce que ça pourrait embêter de la mettre là. Donc on va la mettre là. Alors voilà. Et juste à côté des bureaux, pour le moment. Les traitements de déchets. Alors, donc ça, c'est nouveau. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu, mais traitement de déchets verts, ça me paraît normal. Vu qu'ils sont quand même axés écologie dans ce nouvel opus. Moi, je mettrais bien ça. Allez, on va dire près des industries. Sur une route rapide. Voilà, hop. Et les carburants, donc il faut trouver les zones. Et ben voilà, il y a une, deux, trois zones. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais j'ai déjà remarqué qu'il y a souvent toujours trois zones au minimum. Alors, bon, on va mettre ça juste à côté. Voilà, hop là. Et voilà du carburant créé. Alors, l'électricité coûte trop cher. Personnes ont du mal à emménager. Donc, de nouveau, problème d'emménagement, création de bâtiments. Voilà. Alors, faut des logements. Oula, moins 5 000. Ah oui, ça, c'est nos bâtiments qui doivent faire mal. Besoin de travailleurs, ça va. On va faire beaucoup de travailleurs alors. Hop là, voilà. Alors, wow, 5 000, ça fait quand même mal, hein. Revenu. Ah oui, mais on va faire les impôts. Alors, les impôts, ah, on peut les modifier. Je sais pas si on pouvait faire ça avant. Aucune idée. Mais bon, on va un peu les modifier, hein. On va mettre 17%. On peut me faire monter. Là, on va mettre 26. Juste histoire de voir si ça va ou pas. Les plus coûteux. Alors, voyons voir. Alors, les champs d'extraction. Ah, voilà. Moins 5 000, le champ d'extraction. Pour faire des carburants. Donc, vraiment, ça, on voit que ça fait mal. Moins 5 000, moins 5 000. Alors. Est-ce que, comme dans SimCity, on peut les arrêter? Non. Ok.
Bah, on va essayer de laisser un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. Et si ça va pas, je vais détourer. Allez, on passe en niveau en rapidité 5. Trophée obtenu. Rentrée d'argent négative niveau 1. Ouais, c'est gentil. Bon, je vais détruire la déchetterie là parce que ça fait vraiment mal. Au moins, vous avez vu à quoi ça servait. Comme ça, c'est. Vous savez au moins déjà à quoi ça sert. Et on pourra les utiliser une prochaine fois. Voilà. Plus 4600. On va pas. On va pas jouer avec le feu non plus. Alors, de nouveau, hein, les habitants du Mas Ombagé, oui, mais emménagés, mais. Faut qu'ils emménagent aussi. Hein. Enfin, est-ce que j'ai bien mis? Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais, je vais encore en mettre. Ben, on va faire ça. On va connecter ici. Voilà. Ça, hop, la route est connectée. Chômage frappe les travailleurs. Eh ben, on va faire. Allez, qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Des non qualifiés. Ben voilà, c'est ça qu'on a besoin. Comme ça, hop, hop, hop. Et voilà. Alors, trafic est saturé. Voyons voir le trafic. Ah oui. Ouais, c'est vrai que ici, je devrais peut-être faire rechanger tout et mettre un grand axe. Bah, je vais pas encore faire ça maintenant. Je vais quand même essayer de au moins avoir les élites. Et les managers. Comme ça, on peut avoir des industries de haute technologie. Ah, on vient de passer un cap. Le cap de 10 000. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué la police. Alors. Bah, en direction sécurité. Est-ce qu'on les a vraiment débloqués? Ou c'était déjà avant? Bon, bah, on va en mettre encore un. Même si on avait peut-être un ou pas. Au moins on est sûr. Ah ben voilà. Alors, service de police, donc on n'en avait pas. Et usine moyenne d'industrie. Donc. Est-ce qu'ils ont toujours besoin d'emploi? Non, aucun emploi disponible. Les manufactures, ils ont besoin de qualifiés, oui, voilà. Donc oui, ce jeu est très compliqué, mais au moins il reflète la réalité, quoi. Voilà, les travailleurs sont heureux. Continuez comme ça, ne les décevez pas. Tout va bien là. Hop. Oui, haute technologie, ça on peut pas échanger. Tout est positif, hein. Oui, donc je vous parlerai une fois de tout ce qui est l'échange. Vous verrez ici, on peut changer avec Omnicorp. Donc, par exemple, vous avez un industrie, un dos. On peut changer pour avoir deux autres tokens. Mais ils n'ont pas la même valeur. Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Et pour le moment, on n'en a pas énormément besoin. On peut suffire, on peut vraiment être autonome. Après, c'est sûr qu'on aura vraiment besoin. Et c'est vachement utile. Surtout que vous pouvez créer plusieurs villes. Et par exemple, moi j'ai ma ville qui s'appelle Disneyland. Voilà. Et voilà, comme on peut voir, j'ai des industries de l'eau en plus. J'ai beaucoup de, enfin, j'ai 80 d'argent. Et donc voilà, je peux carrément donner de cette ville-ci à Disneyland de l'eau, des choses comme ça. Des logements pour travailleurs qualifiés. Ah ben voilà, on a aussi débloqué la densité moyenne pour les travailleurs qualifiés. Bah ici, hein, comme ça, le trou est fermé. Et voilà. Et ça se crée très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Agroalimentaires ont du mal à embaucher. Oui, j'ai déjà vu ça. En fait, je fais une autre ville. Qui s'appelle donc Disneyland,
où justement je teste un peu quelles les nouveautés, je fais ma propre vidéo aussi, parce que bon, à part faire des vidéos, je vais faire autre chose que ça. Donc j'ai aussi envie de m'amuser, et ils m'ont dit exactement la même chose. Donc vraiment, comme si c'était trop loin, parce que pour le moment, on n'a pas de service de transport. Donc les gens veulent pas se bouger pour aller si loin, quoi. Ils vont pas aller à pied. Voir qu'on n'a pas de bus, rien du tout. Donc voilà. J'ai changé la place de mon micro. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Alors, voyons voir à combien de temps on est. On a 10 minutes 43. Oh, ça va, on a encore le temps. On va au moins essayer d'atteindre les 15 000 pour que je vous montre les managers, que je vous montre les industries de haute technologie. Donc, on va investir dans des bâtiments. Alors, est-ce que tous les bâtiments là sont verts? Oui. On va d'abord alors faire les industries. Voilà, il a besoin de qualifiés, non qualifiés. Hop. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oui. Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Électricité est trop chère. Taux de chômage des travailleurs qualifiés atteint un niveau de... Et ben voilà, ouais. Quand on parle des loups, il y a plein de jobs pour vous maintenant. Oui, d'accord. Donc voilà, il faut vraiment augmenter l'électricité comme ils nous disent. Donc on va dans l'électricité. Alors, ça va nous coûter 5 000. Allez, on peut se le permettre. On va le mettre ben, juste ici. Je ne sais pas si ça a un impact ou pas. Non. Ben voilà, on peut voir ici, par rapport à la pollution de l'air, que s'il y a vraiment toutes les industries. Pour ça, j'ai même mis trop près. Et il faut que vous fassiez vraiment attention à ça. De vraiment, limite, mettre pas trop loin non plus, parce que sinon on aura comme avec l'agroalimentaire, ils voudront pas aller jusque-là. Donc pour le moment, il faut faire comme ça. Alors, taux de chômage, ouais, mais je sais pas faire plus, hein. Et les industries lourdes. Ah ben voilà, moyenne. Je vais continuer ici. Hop, hop. Donc oui, vous voyez des fois, donc ici quand je fais des axes, ils sont bleus, c'est-à-dire qu'ils sont tout droits. Donc par exemple là, ils sont pas, qui sont surtout dans la même continuité que la route juste là. Donc hop, continuité et continuité. Donc c'est vraiment si vous voulez faire comme moi je fais des trucs beaucoup plus carrés. Pour expliquer aussi les zones. Donc c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais vous voyez ici on a vraiment les zones carrées, comme on vraiment carrées. Donc à chaque petit carré ici, ça fait une zone. Où il y en a là 6 par exemple. Hop, de nouveau 6, 6, 6, 6, 6, etc. Donc c'est vraiment à chaque fois vraiment. C'est pas génial, sauf si par exemple peut-être pour les industries, mais on gagne mieux, je crois, en faisant comme moi, en libre, et au moins c'est beaucoup plus beau, quoi. Vraiment, vous voyez ici, hop, des petits décors qui ne servent strictement à rien, hein. Genre ça produit pas, mais au moins on a une ville qui ressemble à quelque chose. Alors ça, ce petit logo, ça veut dire qu'ils ont fait faillite. N'a pas voulu acheter la protection de la mafia. Donc oui, ils aiment bien nous montrer deux trois trucs marrants des fois quand les villes quand il y a des faillites. Et c'est possible, hein, ça arrive souvent des fois qu'il y a des faillites comme ça pour tel ou tel problème. Alors le carburant coûte trop cher. Donc on va mettre le carburant que j'avais fait à tout à l'heure. Voilà, on doit faire ça. Aucun emploi disponible. Mais tout ça c'est quoi? Alors ici, tout va bien, carburant trop cher. Ben, je vais vous montrer alors maintenant, en attendant. Donc le carburant, j'ai besoin de 1 de carburant. Donc hop, ce serait bien. Donc, je vais me donner... Attendez, hein, qu'est-ce qu'on a? Industrie lourde, je fais moins 1 et hop là je peux faire normalement plus 1.
vois pas pourquoi je peux pas. Vous manque 25 tokens d'argent pour compléter cet échange. Pourquoi l'import de l'industrie lourde est réduit de 1? Il vous faut vendre plus de tokens à Omniport, soit lui acheter moins de tokens, soit produire plus d'argent. Donc voilà. C'est pas. Je vous avoue que ça n'a jamais été énormément clair pour moi non plus. Mais. Mais bon, voilà. J'essaie de faire avec. Bon, bah vous savez quoi, on va pas faire comme ça, on va faire comme je vous avais montré avant, les petites nappes. Enfin, pas les nappes, mais oui, les nappes plutôt. Alors, hop, voilà. Ça va faire moins 5 000 tout d'un coup, non? Ça va, on est à plus 10 000, c'est plutôt bien. Les industries lourdes ont du mal à embaucher, pourquoi ça? Besoin de travailleurs, voilà, absolument besoin de travailleurs. Donc, on va créer encore. Où est-ce qu'on pourrait créer, continuer à créer? Bon, on va continuer là, hein, sur cette même ligne-là. Hop. Voilà. Allez, on va bientôt arriver aux 15 000, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, ils vont bientôt faire faillite s'ils n'ont pas de travailleurs. Ouais. Si ce bâtiment. Oh, ben voilà. Manquait de travailleurs, souffert de frais de proximité, d'accord. Donc voilà. Alors. Ah, attention. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus le cercle de quand on arrive. Allez, quand la vie, le jour se finit. C'est vraiment dommage. Moi, j'aimais bien le système où on pouvait voir, ok, hop, je vais avoir plus 13 000. Ou hop, j'ai plus 600 habitants. Alors, bah ici, il y a toujours un problème. Ah oui, pas assez d'habitants. Alors, voilà. Hop. Et voilà. Ah voilà, hop les managers. Je vais mettre sur 1 et je vais vous montrer tout ça. Alors les managers, donc les managers sont beaucoup plus chiants. Donc plus on monte dans les élites ou non. Enfin si on les travailleurs sont sympas, ils acceptent beaucoup de choses si on rate des choses. Mais les élites, eux, c'est vous ratez une chose, ok, vous pouvez, on va partir. Donc c'est vraiment ils sont beaucoup plus exigeants. Alors, les industries de haute technologie, donc ils prennent des qualifiés, donc de niveau 2, et des managers, donc de niveau 3. Alors, on va faire une nouvelle petite zone. Ben, on va la faire ici, entre les deux. Est-ce que c'est en carré? Ah non. Voilà. Hop là. Oula, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup. Les managers, bon, on va faire alors beaucoup de managers, hein, tout simplement. Hop. Et on va fermer. Ça sera peut-être beaucoup fort grand en fait. Allez, soyons fous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Aucun emploi disponible, aucun emploi disponible. Bah non, c'est pas vrai, je viens de. Ah là là là. Alors, il nous faudra sûrement quelques petits bâtiments ici, là et là, et d'office chez les champs. Alors, on avait normalement, on n'a pas les pompiers? Ah non, c'est à 20 000. Alors oui, j'ai aussi lu qu'on pouvait améliorer, voilà, améliorer sa mairie. Alors, efficacité moyen, portée ville. Eh ben écoutez, on va le faire, hein. Ça coûte 9 000 et 3 000. Bah ça va, on peut se permettre ça. Alors, voyons voir. Donc oui, aussi, les managers et les élites, eux, ils ont plus souvent des voitures.
Donc, ils peuvent se permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Peut-être dans les loisirs, il y a des nouveautés. Non, rien du tout. Alors, ils ont du mal à emménager, oui, mais on va accélérer alors. Oui. Taux de chômage. Oui, mais ça va être réglé. 15 000 petites usines de haute technologie. Donc oui, ils ont quand on avance très vite, ils ont un petit temps de retard. Ah oui, pas de commissariat, ça c'est possible. Qu'un petit commissariat pour 18 000 habitants. Enfin, normalement, un commissariat, c'est un policier pour 100 000 pour 100 000 habitants. Donc normalement, ça devrait être normal. Voilà, on a 500 managers. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le taux de chômage a atteint un seuil critique. Oui, mais ça va arriver. Hein. Alors, voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Pas d'emploi. Et eux, et il manque de personnes. Ouais, mais bon, on va un peu laisser parce que on connaît ça. Très insatisfait ou au chômage. Bon, ben on arrive bientôt aux 20 000 et toujours à plus 12 000. Donc voilà, mais vous verrez qu'après ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on va avoir par exemple nos l'électricité qui va nous manquer ou des choses comme ça qui sont vraiment très embêtantes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en ai peut-être fait beaucoup hein, quand même. Alors, ben, des petits hôtels. Voyons voir qu'est-ce que ça peut faire. J'utilise jamais les hôtels, mais on va un peu voir. Hein. Alors, bonus 6 passagers, bonus 6 cadre de vie. Voilà, d'accord. Hôtel d'affaires. Je crois pas que pour le moment on aurait vraiment besoin. Je crois que quand on aura un peu développé la côte, genre ici on peut vraiment développer tout. De très belles choses. Alors. Donc ici toutes les industries vont parfaitement bien. Au moins ils sont contents maintenant qu'il y a des technologies, des hautes technologies qui s'installent. Alors, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Attendez, hein, on va voir si... Faudrait quand même essayer de régler ce petit problème-là. Hop, on peut même pas avancer plus vite. Allez, on passe aux 100 000, aux 20 000 et je vais arrêter la vidéo pour cette fois-ci. Les bureaux, c'est toujours des petits bureaux. Ah ben non, pas à 20 000. Donc bientôt, on pourra faire de grands bureaux. Enfin. Et vous voyez, hein, on est toujours à plus 17 000. Alors que maintenant, j'ai tout ce qui est pour le carburant, hein, l'extraction de carburant. Donc comme quoi, il faut, vous voyez, il faut pas faire ça directement, mais vraiment quand il faut, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin et qu'on ne sait pas faire avec les échanges, on fait nous-mêmes. Mais bon, ça a un coût. Mais vous voyez, c'est 5 000 et j'ai encore plus 17 000, donc il faut bien gérer sa ville. Je sais, je suppose que c'est le but de tout le monde, mais vraiment, il faut toujours essayer d'être d'accord, de regarder à chaque fois qu'est-ce que les travailleurs veulent, qu'est-ce que les travailleurs qualifiés veulent. Bon, ben on va leur créer, je dis ça, mais depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Donc, je vais leur créer quelques petits bureaux. Ah ben voilà, on va faire ça, quelques petits bureaux, comme ça je peux augmenter de travailleurs. Et comme ça on passe le cap des 20 000. Donc on aura augmenté de 13 000 en 13 000 habitants en 13 000, en 24 minutes, pardon. Et on sera à plus 18 000. Comme quoi, c'est vraiment pas mal d'être performant. Alors, je vais pas encore faire la vidéo prochainement sur les mods. Je vais pas les tester sans vous non plus. Je vais vraiment
essayer de me forcer à pas les utiliser parce que j'ai vu quand même qu'il y en a quelques-uns qui ont l'air pas mal, genre un mode sandbox. Donc je pourrais peut-être faire une autre ville juste jolie. Donc on s'en foutra d'avoir autant d'argent, on pourra avoir autant d'argent qu'on veut. Donc c'est surtout faire une ville jolie. Peut-être tester certaines choses parce qu'on aura tout débloqué. Donc on aura tout ce qui est transport, on aura les autoroutes, on aura les avions qui seront, enfin oui, les avions et les transports maritimes qui seront débloqués. Donc ça peut vraiment être sympa de tester toutes ces grandes choses parce que le temps d'arriver à 500 000 habitants. On a le temps, je crois. Donc voilà. Voilà. Tu m'as engagé. Alors là, ils sont jamais contents, ceux-là. Hop. Et voilà. Et ce qui est bien aussi quand on fait la zone libre, vous voyez les zones comme ça, ils remplissent ce qui manque à l'intérieur. Alors que quand on fait des zones carrées, il n'y a que ça. C'est vraiment, ça ne sert qu'à ça. Vous voyez, il y a vraiment, il n'y a pas de trou possible. Donc ça, c'est moins beau. C'est, ouais. Même pour les industriels ici, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus beau comme ça. Alors ici, il y a un petit arbre. Ah, on est passé les 20 000. On n'a pas encore eu d'annonce, mais on est passé les 20 000. Voilà, hop, et le taux de chômage toujours aussi grand. Voyez, ouais, regardez tout ce que j'ai débloqué. Hop, voilà. Plus 21 000, eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué ici? Les bureaux de densité moyenne. Eh ben, enfin, on va en faire quelques-uns quand même, juste pour montrer ce que ça donne. Alors, on va faire 4. Qu'est-ce qui se passe? Sauter l'entreprise dans le désert était fatal pour les employés. D'accord, c'est triste. Hop, on va encore en faire, mais un peu plus quand même maintenant. Vu qu'on en a beaucoup plus besoin. Alors, il nous faudra. Ah, on a des magasins de densité moyenne. Alors, on va prendre. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire comme je fais, c'est petit bâtiment par petit bâtiment. Parce que faire des zones commerciales, après ils vous diront qu'il y a trop de. Il y a des surproductions et on perd plus d'argent qu'autre chose, quoi. Commerces ont du mal à embaucher. Oui, ça va. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Ah, voilà, on a nos pompiers. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, quand on met ici, bon là on voit plus maintenant, mais ça devient vert ou ça devient orange. Donc orange ça veut dire vraiment c'est limite limite. Vert ça veut dire c'est parfait. Et orange et rouge pardon, c'est vraiment ils sont pas desservis. Donc il faut essayer de faire ça. Alors port maritime, mais on n'a pas assez d'argent. Ah oui. 900 000, c'est beaucoup. Logement pour travailleurs, toujours des problèmes de chômage. Mais voilà. Au lieu de. Enfin voilà, on est arrivé aux 20 000, 21 000 maintenant. Je vais mettre sur pause. Je vais sauvegarder la partie. Alors, on va sauvegarder en save 3. Voilà. Et on continuera là-dessus la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou pas si vous avez pas aimé ou non la vidéo, pardon. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et au moins ça m'aide à améliorer mes vidéos. J'espère qu'au moins la voix sera déjà meilleure. Désolé, je suis un peu malade, donc ma voix est un peu bizarre. Mais voilà, sinon, à bientôt et à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!